Bonjour tout le monde! Bonjour tout le Et avec monde! le son. Oh, mais oh mon Dieu, il y a même mon double Bonjour tout fantôme. le Hop, voilà. Oui, c'est vrai qu'il faut. Oh, c'est vrai que j'aurais dû dire préparer feuille et crayon. En même temps, j'ai dit atelier dessin. On peut espérer, on peut espérer que les gens ont pris des feuilles. Et un crayon. Salut Fab l'Atlantis. Merci d'être là. Toi aussi fidèle au poste à chaque fois. C'est trop gentil. Et à ceux qui ne parlent pas aussi, puisque je vois quand même qu'il y a des gens en fait qui ne parlent pas, mais qui sont là fidèles au poste. Et je les remercie profondément aussi, évidemment. Et donc, aujourd'hui, nous allons dessiner d'abord Brindibou. Hein. On va faire donc cette semaine, si comme c'est carnaval, je me suis dit, ben voilà, on va faire, allez, c'est moi qui offre un atelier à chaque fois. Donc lundi 16h, mercredi 14h30, mercredi c'est mon anif en plus. Et 16h jeudi, on fera. Alors, mercredi, on fera. Donc, aujourd'hui, Brindibou. Mercredi, on fera Hérissandre. Et jeudi, nous ferons Moustillon. Oui, merci, Adélia. Et donc, on commence par par un. Voilà. Petit atelier Brindibou là, sympathique. Comme note, attends, oui, voilà, le réseau. Les dessins, vous pouvez les mettre sur mes réseaux sociaux, hein, en dessous de ma publication de l'atelier, ou sur le Discord où là on est, là c'est vraiment, y a vraiment que ceux qui sont inscrits qui voient vos dessins. Et il y a une rubrique faite spécialement pour. Et vous pouvez mettre vos dessins là. À l'abri, c'est pas sur tous les réseaux, à la vue de tous au cas où. Voilà, Discord est vraiment entre nous. Donc vous pouvez le mettre sinon là. Et donc aujourd'hui, on dessine d'abord Brindibou, que vous voyez sur votre droite. Et puis nous ferons les émoticônes de. Les nouveaux émoticônes de la chaîne. Ah, mais non! Mais vous les découvrez? C'est vrai? Je les avais pas encore montrés. J'ai refait le bonjour et. C'était quoi l'autre? C'était censé être surpris ou je sais pas quoi. Je suis quand même plus à l'aise pour dessiner le crayonné en dehors. Mais, t'as vu ça? T'as vu ça? Si ça c'est pas de la casquette, si ça c'est pas de l'émoticône personnalisé, je sais pas ce que c'est. Alors il y a surpris, il y a bonjour, il y a triste. Bon, c'est pas vraiment le, hein, on sait jamais. C'est genre, oh, c'est tout. Bon, bref, triste. Et puis il y a casquette. La casquette, le chapeau, et effectivement, ça tombe bien, c'est le hasard, mais voilà, je pense que la fameuse casquette en fourrure de Pikachu, toujours aussi, ouais. Et tu vois, elle est prête, et maintenant, il y a en plus l'émoticône pour. Enfin, il y aura. Ouais, d'ailleurs, c'est vrai que faudra débloquer. Ouais, capot! Avec la casquette Pikachu. Elle est prête, lol. Alors, c'est vrai que je. Donc, il y a trois émoticônes qui sont débloqués, que vous avez déjà, que voilà, Adaelia utilise. Hein, attendez, je vais les mettre ici. Où est-ce qu'ils sont? Ah, c'est fort ça. Ah oui, ici.
Voilà, hop, monkey. Bim, bim, bim. Alors du coup, ils sont avec l'ancien design du singe. Donc sans doute que je les rechangerai, je les referai après. Même si j'avoue que je les aime beaucoup. Et que du coup, ben voilà. Mais bon. C'est pour ça que je me suis dit, bah allez, je vais en faire d'autres. Comme ça, je les efface pas tout de suite. Parce que ils ressembleront, hein. Ce seront les mêmes, mais avec genre redesigné parce que ils ont vraiment une belle expression et tout. Par contre, en fait, il y en a encore deux qui sont déjà débloqués. Alors, je pense que. Hey, salut Bencolor! Comment vas-tu? Donc, tu es. Préparez votre feuille et votre crayon aussi pour pouvoir dessiner. Ouais. Donc en fait, ouais. Donc en fait, là, tu vois sur la droite, on va dessiner Brindibou aujourd'hui. Mercredi, on dessinera Hérissandre et jeudi, on dessinera Moustillon. Et donc ça, c'est un atelier en début de partie, hein, voilà, en début de séance. Et puis après, donc aujourd'hui, on va ancrer les personnages, les nouveaux. Ah, mais Moustillon, j'ai l'impression qu'il a beaucoup de succès, hein. C'est ce que je me posais comme question. J'en parlais. Moi, j'ai flashé sur Hérissandre. Mais finalement, moi, c'est juste moi, en fait. Voilà, j'ai craqué. Si ça se trouve, j'ai pu craquer peut-être sur celui qui a le moins de succès. Ou qui est le plus banal, ou je sais pas. Mais j'ai l'impression que quand je dis moustillon, il plaît bien. J'en parlais à un cendre, tu vois. Regarde, hop, moustillon qui ressort là de nouveau. C'est à se demander même si moustillon a même peut-être. Je sais pas si c'est celui qui a le plus de succès. Attends, c'est une loutre. Ah oui, c'est une. Ah, c'est une loutre en fait, c'est vrai ça. La messe est dite. Ouais, en tout cas, j'ai cette impression que j'ai l'impression que Moustillon, il a bien du succès, hein. Alors là, alors moi je suis tout content. Je prépare. Je me dis, ah ouais, là il y a Pokémon Arceus, pardon, qui vient de sortir. Je vais faire les trois starters Pokémon. Là, je suis au taquet de la nouveauté. Bim! Hier, il présente la 9G avec les nouveaux starters. Alors, on n'a pas leur nom, mais il y a le petit chat Pokémon Plante. Il y a l'espèce de hippopotame chelou feu là. Je sais pas si c'est un hippopotame. Ah, ils ont donné les noms. Ah oui, c'est juste, il me semble qu'ils ont donné les noms. Ils ont même donné les noms en français. J'ai oublié du coup. J'ai pas, j'ai. Et alors, il y a le Donald Duck, quoi. Ah, attends, il faut retrouver ça. Vous allez me retrouver ça, les noms des nouveaux Pokémon. Et donc, direct. Hey, Kewix, hello! Comment vas-tu? Juste là, viens pour l'atelier. On va faire un atelier, on va dessiner Brindibou par là-bas. Tic tic. On va dessiner Brindibou dans la caméra. Et puis après, on va ancrer les quatre nouveaux emotes. Ça fait très plaisir de te voir, Kiwix. Kiwix qui est sur notre Discord. Et donc, ouais, hop. Et il te présente les trois nouveaux Pokémon. Et direct, alors il y a des auteurs là, direct des artistes qui vont en faire des fan art. Et puis je suis là et du coup je fais. Hey! Ah! Oh, moui! Mais ouais, hein, avec une feuille et un crayon. Mais on va très bien, on va très bien. Enfin, je vais très bien, mais je pense que les autres vont bien aussi. Ça va bien, ouais. J'ai
J'ai fait la mise à jour, mais j'ai... Oh là là, ils ont présenté une nouvelle mise à jour de OBS. Donc OBS, c'est le programme qui me permet de faire justement tout ce cadre, le chat et tout ça. Et quand tu lances le programme, ils te disent, il faut le faire avant le 1er mars. Parce que 1er mars, ça coupe Twitch. Y a plus, il faudra rentrer la clé de stream, il n'y aura plus le chat et tout. Tu as intérêt à faire la mise à jour. Et apparemment, la mise à jour, elle posait un peu problème. Merci, Sandre. Pouce à chat, chocho. Oui, c'est ça, je les avais lus. Et donc, c'est bien les noms officiels en fait. Chochody. Ah, mais en fait, chochody, donc c'est un crocodile. Et coiffe-t-on. Et alors j'ai l'impression que Pouce à chat, alors moi fan le Pokémon félin, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup qui le trouvent un peu justement habituel, comment on dit ça? Oui, me dit qu'elle est en vocal avec toi. Dis-lui de venir, lol. Ah, en vocal avec Kawix. J'ai l'impression qu'en fait, le chat, hein, Pouce à chat, attends, c'est ça, hein, ouais, Pouce à chat, faut retenir les noms, du coup, hein, là, maintenant, attention. On va... Ouais, quelconque, ou pas forcément quelconque, mais le chat mignon en truc japonais, on l'a vu 1000 fois, quoi. Le chat est un fonds de commerce qui fonctionne, mais voilà, ça a l'air, voilà, c'est du déjà vu et revu, pas forcément dans Pokémon même, mais dans l'univers du mignon, le chat a déjà été vu. Et Chochody, apparemment, eux, en même temps, ils disent c'est le plus moche, et en même temps, ça le fait ressortir du lot, et du coup, il a vachement de succès. Hein. En fan art, Chochody, il bat les deux autres, quoi. Ouais, voilà, et il faudra voir leurs évolutions aussi. Et, attends, alors du coup, coiffe-t-on? Justement, il disait, ouais, bon, coiffe-t-on, ah, c'est quand même le canard avec un chapeau. Il y a un bon potentiel évolution, il faut voir. Voilà, ça c'est ce qui ressortait un petit peu de Twitter. Et du coup, moi j'avais fait, waouh, pousse à chat. Enfin bon, je savais pas le nom, mais waouh, trop bien le chat. Et puis après, je vois tous les autres qui font, ouais, non, ouais, hop, Chochody. Chochody premier, quoi. Mais effectivement, faudra voir leur évolution. C'est vrai que là, j'ai pas joué autant que ce que j'aurais aimé peut-être à Pokémon Arceus. Et c'est vrai que j'ai pris Hérissandre. Et du coup, je l'ai. Il a évolué déjà une fois. Et il est en Feurisson. Et Feurisson est quand même pas aussi mignon qu'Hérissandre. Il est sympa. Mais il a cette espèce de côté, c'est le hérisson saucisse maintenant, quoi. Voilà, oh voilà, oh attends, au moins avec un verre manga. Cover. Découvrez. Les images sont là, ouais. Et donc, voilà. Je me dis, ah bah je vais faire les trois starters Arceus. T'es au top du récent. Ah, ça y est, le chapeau arrive. Le chapeau. Hop. Alors attention, 25. Ah, j'ai vu. Oh là là, non. Voilà. Voilà. Mais on hop. Il faudra mettre l'émoticône alors. Pour un bon retour, un chapeau. Ouais, voilà. Et donc, bah, tu reconnais. Oui, 16h40. Merci, Adaelia.
Et donc, bah, tu vois, en fait, je suis passé par plein de chapeaux. Alors à Noël, oh, ça a été la fête du diadème de Noël. Il y en a eu quoi? Il y en a eu 4 ou 5? 4 ou 5 au moins. 5, je crois. Quel magnifique. Mais là, voilà, quand j'ai vu celui-là, j'ai déjà raconté l'histoire, hein. Quand j'ai vu cette casquette, je me suis dit, oh, ça c'est la casquette, il faut que je la prenne en véritable fourrure de Pikachu. Il n'a pas crié trop fort. Tu vois, il était content quand il m'a vu. Après, il était vachement moins content quand je l'ai pris. Mais non, mais Kerix ne sait pas. Et donc, en fait, je vois cette casquette dans un magasin geek. Et je me dis, il y avait deux casquettes. Il y avait cette casquette-là, en véritable fourrure de Pikachu. Et il y avait une autre qui est rouge, avec un Pikachu en entier qui fait ouais! Et qui est déjà beaucoup plus portable. Moins. Voilà. Fourrure de Pikachu, quoi. Faut assumer. Et. Hop, je la mets un peu comme ça parce qu'en fait, moi, j'aime pas. On voit beaucoup plus le dessous que je pensais. Tandis que là, c'est encore plus ridicule, quoi. Bon. Et. Je vois cette casquette, je me dis, ah non, mais celle-là, c'est pour le Twitch. C'est la casquette qu'il me faut pour Twitch, pour le défi chapeau. Mais je la vois. Elle est quand même à, je crois, 25 euros, un truc comme ça, 25-30 euros. Et je fais. Je vais pas pouvoir la porter en dehors de Twitch, ça c'est sûr. Et c'est quand même. Faut assumer. Faut assumer. Et je me dis, bah, l'autre casquette, elle est quand même portable en dehors de Twitch. Et elle est quand même plus facile à porter, même voilà, sur Twitch. Mais du coup, elle est en demi-teinte parce qu'il n'y a pas le délire de la fourrure et tout. Écoute, c'est pas grave, Kewix, pour ton absence. Bah, voilà, t'es là. Il y a des moments où tu peux venir, il y a des moments où voilà, où c'est le jeu de Twitch, hein. C'est le jeu de Twitch, c'est comme ça, hein. Et donc, je me dis, non, mais si tu prends pas, tu vas pas pouvoir délirer avec la fourrure, avec, enfin, elle est abusée, quoi, cette casquette. C'est la casquette, quoi. Et bon, j'achète pas tout de suite parce que 25-30 euros, la casquette que je fais, oh là là, mon Dieu. Puis je sors de là, je réfléchis et je fais non, mais c'est quand même cette casquette-là, tu peux pas prendre une autre. Je retourne un autre jour et je vais là pour la prendre. Je rentre dans le magasin, hop, je vais jusqu'au comptoir avec les deux casquettes, et je la revois et puis je fais. Oh, tu vas vraiment la prendre. Là, t'assumes, tu la prends. Aïe, 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 aïe. Donc, je fais, bon. Ah, compliqué. Je fais, ok. Je devais quand même passer chez mon libraire acheter des mangas. Je me dis, voilà, allez, vas-y, hop. Tu sors, tu vas acheter tes mangas, et puis tu reviens, et alors tu auras fait un choix. Tu prends celle-là ou tu prends l'autre, et tu fais un choix. Et puis, j'hésite et tout. Donc j'y vais en réfléchissant, je vais acheter mon manga, puis je ressors, je retourne vers ce magasin, ah, j'hésite, je fais, ouais, mais non, mais oh, mais cette casquette, c'est pas possible et tout. Et puis tout d'un coup, je me dis, non, mais. Tu vas regretter, tu vas regretter. C'est cette casquette-là qui t'a flashé, c'est la casquette du délire, c'est le défi casquette. Non, c'est celle-là, c'est pas une autre. En tout cas, pas dans celle que je voyais, quoi. Parce qu'en plus, cette casquette, j'avais déjà vu il y a longtemps et je fais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire une casquette avec de la fourrure de Pikachu, quoi. Et je rentre, hop, je prends la casquette et je fais, non, mais là, faut que j'assume. Et le vendeur l'entend en plus. Ah, et du coup, il fait, ah, c'est une belle casquette, hein, on a envie de la toucher. Hein, parce que la fourrure, elle est toute douce. Et je fais, ouais, mais faut que j'assume. Hein.
Et j'avais des points sur ma carte. Oh non! On m'en a reparlé, on m'en a reparlé. Parce qu'en fait, j'ai dû préparer des trucs déjà pour la Medinazia. Parce que Medinazia m'a demandé les. M'a demandé les. Comment on dit ça? Les, mes horaires, les, tous les dessins que je vais mettre. Quoi? Je ne vois plus rien. Alors, on m'a demandé mes horaires. Attends, parce que là, je ne sais pas s'ils m'entendent. Déjà, je ne vois plus rien. Ils m'ont demandé mes horaires. Et donc, du coup, on m'a dit, ah oui, et n'oublie pas, hein, il faut que tu prennes tes mesures pour ta grenouillère Pikachu. Donc, voilà, quoi. Non, mais il n'y aura pas, il n'y aura pas, hein, y aura pas là. Hein, ça, c'est. Je crois pas. En plus, et en plus je vais mourir de chaud, quoi. Et non, il n'y a pas de, il n'y a pas de, il n'y a pas de grenouillère Pikachu en commande. Donc, voilà. Hey, salut vieux! Comment vas-tu? Bah, tu vois déjà, ils sont déjà. Allez, je regarde l'heure si je pouvais pas enlever cette casquette de l'enfer, mais en fait non. Il y a encore 8 minutes de casquette, quoi. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Bah tu vois, ils me font déjà porter la casquette en véritable fourrure de Pikachu, comme tu vois. Et qu'est-ce que je disais moi? Oui, donc et voilà. Et il me dit mais vous avez des points sur votre carte. Et il m'a déjà déduit les points de la carte. Et je fais ah merci. Comme ça, elle m'a coûté 20 euros du coup. Je fais ça me fait déjà moins cher la casquette de comment dire de tous les extrêmes. Tu es sûr que... eh ben, écoute, même pas. Même pas. Alors d'habitude, c'est elle, mais pour une fois, c'est pas elle. Tu reviens plus tard? Ok. Mais ben, nous, on va commencer là maintenant à dessiner. Maintenant que Vieux est là, puisque Vieux va dessiner avec, on va dessiner. Ben, rindibou. J'ai pourtant essayé de replacer le fait qu'il fallait commander. À... Oui, mais c'est ce que je venais de dire. C'est ce que je venais de dire. Ah! Salut Ben Color. À la prochaine. Merci d'être passé. Pas de dessin pour moi. Je modère en même temps que je suis ici. Ah ouais, effectivement. Tu as un mot. Tu as un mot d'excuse alors. Ok. Alors. On va commencer l'atelier. Est-ce que vous avez votre feuille et votre crayon? Le double écran, ça a ses avantages. Ah oui, c'est sûr, c'est sûr. Note que je suis en double écran aussi, du coup, hein, puisqu'en fait j'ai mon programme de dessin sur ma Cintiq et j'ai bah, l'écran en face de moi avec. Avec OBS. Alors, bim, une feuille. Attends, voilà. Alors, Brindibou. Est-ce que vous avez votre feuille et votre crayon? Oui. Ok. On y va alors. Alors, Brindibou, faudra faire le cercle bien au centre et pas trop grand parce que ses ailes vont prendre. C'est comme s'il y avait trois cercles en fait. Hein? Ah, mais je vais pouvoir. Contrairement à la Medinazia où je dessine sur un mar avec un marqueur, ici je vais pouvoir le dessiner moins fort. Regardez. Hop, oula. Attendez. Je vais essayer de le faire
Est-ce que c'est moins... Voilà, en grisé, comme ça. Vous appuyez pas trop fort. Yes! Et en réalité, il y aura comme un deuxième cercle ici et un deuxième cercle ici. Vous voyez, la distance est là et elle est pareille avec celle-là et avec celle-là en fait. Et en réalité, ce sont les ailes qui sont là. Hop. Donc, moi, je vais gommer les petites flèches. Voilà. Hop. Alors, après, on fait hop. Légèrement courbé vers le dessus, hein, comme ça. En moins fort. Hein. Hop. Et alors ici aussi légèrement courbé. Comme ça, ça donne comme un ballon. C'est pas un être. Déjà que le dessin fait quand même entre guillemets très plat. Là, ça permet de lui donner un petit peu de volume. Et ça nous donnera. Le masque, enfin l'espèce de masque blanc là, enfin de qui l'entoure et tout ça. Alors, par exemple ici, hop, on fait comme ceci, un ovale. Et dedans, hop, on le recoupe légèrement. J'espère que Sandra a sa feuille aussi, hein. Ensuite, ici, on va faire un rond. Un ovale de nouveau, je voulais dire. Un petit rond dedans, je voulais dire, voilà, hop, et ici aussi on se sert de cette ligne qui est légèrement horizontale, hein, pour pouvoir déposer l'œil au milieu. Voilà. Ensuite, en s'aidant de cette ligne verticale, ici, ça va faire un creux. Hop. Ici, ça remonte et on redescend. Voilà. Et pareil ici. Oula. Et voilà. Et en fait, on sait que moi, je devrais, voilà, refaire mieux le rond ici. Puisque ce sont toutes ces lignes qu'on fait à main levée, évidemment, elles peuvent être corrigées. Hein. C'est pour retrouver un peu de distance entre le masque et le... D'ailleurs, le masque, en fait, je le fais vachement grand, quoi. Hop. Hop, voilà. Thank you.
Ok, vous me dites si c'est bon, hein. Ensuite, on va pouvoir faire les feuilles là ici, qui sont ces. Hey, salut Kalira! Mais comment ça va? Mais c'est chouette ça! Mais tout, c'est le rendez-vous, tout le monde est là. Ça va très bien. On fait un petit atelier Pokémon pour commencer là. Oh, 41! Il n'y a eu qu'une minute de rab. Ah non, mais regardez, j'étais bien coiffé. Mais ces cheveux de l'enfer. On fait un petit atelier d'abord avec Brindibou. Et puis après, hop, on fera les. Ce sont les nouveaux emotes qu'on va pouvoir ajouter à Twitch. Avec un surpris, un bonjour, un triste et un casquette. Et c'est ça que je voulais dire là tout de suite, d'ailleurs. Donc il y a les trois émoticônes qui sont déjà occupés. Hein, comme vous voyez, Adaelia les utilise. Merci Adaelia. Mais il reste deux places. Et en fait, je pensais mettre le bonjour et le casquette. Hein. Et donc les deux autres, je peux les rajouter déjà. Parce que Twitch, en fait, doit valider chaque atelier. Chaque émoticône. Il doit les valider d'abord. Donc je peux déjà les intégrer dans le programme, mais ils seront bloqués en fait. Je peux en mettre un en abonné. En fait, je peux mettre les deux en abonné, mais en fait, abonné de rang 1, ça en débloque un. Et abonné de niveau 2, bah, ça débloque celui du niveau 1 et du niveau 2. Et abonné niveau 3, bah, 1, 2 et 3, quoi. Mais bon. Enfin, en fait, je peux le mettre, oui, comme ça, au moins, vous pouvez l'utiliser en plus, ceux qui sont abonnés. Ou alors, je mets la casquette en abonné. Ça serait vache. Ok, donc on va faire d'abord la... la... Zut, comment on dit? Attends. Le nœud papillon. Alors, évidemment, on se sert de la ligne ici, hein, de la ligne verticale, pour faire le centre du papillon. Du nœud papillon, ouais. Du nœud papillon. Donc, une première feuille ici. Qui est pour mettre l'émoticône casquette en abonné? Est-ce que tous les émoticônes, vous savez tous utiliser les émoticônes ou bien non, il y a en fait déjà que les abonnés qui utilisent les trois. Je sais pas, je ne sais plus. Ok, la deuxième. Attendez, hop, on va commencer. Hop. Je ne vais rien dire, moi, je suis déjà abonné à toi de savoir, lol. Mais oui, mais je troll en fait. Mais je me demande si en fait les émoticônes qui sont là. Ouais, il faut être abonné en fait. En fait, tous les émoticônes sont abonnés, ok. On va le mettre même un peu plus foncé. Comme ça, je valide le. Dessin.
Faut voir si tu n'as pas d'emplacement d'emote follower. En principe, si. Ah, Fabel Tantis dit non, faut être abonné. Ils ont peut-être changé ça. Je peux voir ça, hein, mais. Je verrai ça après. Pour pas casser le rythme de l'atelier. Donc, alors on va pas valider. Moi je valide pas totalement le rond. Puisque ça me permet de réajuster par après. Ici, on a d'abord un demi-cercle. Qu'on va essayer de pas faire trop petit. Et puis un deuxième. Voilà. Tac, à moitié, un entier. Et ici, un entier. Voilà. C'est nouveau, il y a normalement des emplacements d'emote follower. D'accord. Parce que je sais que j'en avais débloqué 3, puis après ça a débloqué 5. Faut que je vois ça. J'ai l'impression que ça change un peu tout le temps. Hein. Le problème, en fait, hein, qu'il y a avec, je trouve, parfois un petit peu dans la communication de Twitch, c'est qu'ils annoncent un truc, et puis après, en même temps, ils disent « Mais attention, c'est pas tout le monde, et pas tout le monde en même temps. » Et donc, ils en parlent, et tu penses à y regarder au moment où ils font l'annonce, puis tu vois « Ah, ben, c'est pas en cours pour moi maintenant. » Et du coup, ça passe un peu en arrière-plan et puis tu oublies quoi. Ou ils ont refait des changements, machin, mais c'est ça. Mais je pense que ça a été généralisé maintenant. Ouais, mais je pense que, enfin, je sais pas. Faut revoir. Je sais que j'ai débloqué des trucs en plus. Par exemple, ici, j'ai dû faire la mise à jour de OBS, absolument, parce que si tu la fais pas. À partir du 1er mars, tu dois re-rentrer ta clé de stream, ton chat il disparaît et tout ça. Tu les avais pas au début et tu les as maintenant. D'accord, ok, ouais. Bah. Et j'en ai profité pour un peu changer mes réglages. Au lieu de streamer, alors je stream toujours en 1080. Mais par exemple, je stream maintenant en 30 images secondes au lieu de 60. Parce que pour mon stream, qui est du dessin, qui est quand même un stream très très cool au niveau de l'image, ça servait à rien de mettre du 60. Il n'y a pas de souci, Kewix. Essaye de nous rattraper. Mais oui, mais en fait, en plus j'avais vu une vidéo où il disait « Ouais, non, streamez pas en 1080, 60 images et tout ça. » Et je sais pas, en plus, je crois que je les avais pas mis comme ça. Puis lors d'une mise à jour, ça a remis mes trucs en 1080, 60. Et j'ai continué de streamer comme ça parce que ça passe. Avec ma connexion, ça passe. Mais je sais pas, je suis retombé sur la vidéo et j'ai re-regardé la vidéo. Et lui, en fait, ce qu'il disait, c'était qu'il y avait aussi ce côté « Ok, chez toi, ça passe. Mais peut-être que ceux qui te regardent, ils n'ont pas tous une bonne connexion. Et chez eux, ça influe aussi. » Alors, je me suis dit « Bon, je vais pas me... » Et j'ai une meilleure image en 720 qu'en 1080. Ah ben, en fait, dans la vidéo, il le disait aussi. Qu'en 720... c'était l'algorithme de compression qui, en fait, devait moins compresser une image qui arrivait en 1080 qu'une image qui était en 720. Et du coup, étrangement, voilà, il vaut mieux un bon 720 qu'un mauvais 1080. Mais le truc, c'est qu'en fait, toi qui stream, tu peux avoir envoyé un bon 1080, mais suivant la personne qui reçoit, il y a aussi une partie qui est de son côté, en fait. Et ça peut avoir des répercussions. Et donc, voilà, je te recite toi-même. Il vaut parfois mieux avoir, du coup, envoyé en 720 pour que ceux qui te regardent en 720 ne soient pas à devoir décoder quelque chose qui est problématique pour eux, quoi.
Alors ici, moi, j'ai quand même laissé 1080. Parce que le problème, c'est que... Bah, en fait, je peux vous poser... Enfin, je pourrais vous poser la question. Le truc, c'est que... Moi, j'ai l'image en direct, donc je ne le vois pas. Enfin, oui, c'est vrai que je peux le faire. Je peux voir le... Sur mon grand écran, dans une fenêtre, Firefox, quoi. Pour passer en 720. Alors, pour le dessin, on va continuer le dessin aussi. Hop. Ah, voilà, ton image est nette et on a le choix de diminuer en 720, donc nickel. Ouais, et j'ai descendu de 60 à 30 FPS parce que moi, alors là, du dessin, 30 FPS, c'est bon, quoi. Même 25, ce serait bon. À la limite, il y aura ma tête quand je fais ouais, comme ça, voilà, mais y a aucun souci, quoi. Donc. On va faire une première aile de brin d'hibou, une deuxième, et en fait, ça suit une espèce de ligne ici, comme ça. Donc, une deuxième. Hop. Et une troisième qui revient, hop, comme ça. Et qui redépasse. Hein. Et vous voyez, il faut bien... Le faire en arrondi. Qui touche. Regardez. On va le remettre en plus épais. Bim. Deux. Trois. Oula. Regardez. Hop. Et ici aussi, bien en arrondi. Voilà. Hop. Alors, ici, en fait, on double quelque part l'image. Un. En fait, l'endroit le plus important, c'est celui-là. On recorrige par rapport à l'autre. Deux. Hop. Et alors ici, en réalité, on en a un grand et deux plus petits. Voilà. Hop. On va faire la même chose de l'autre côté. Et alors l'autre côté, il faut pas oublier que ça remonte comme ça, hein. Légèrement. Donc, on le fait partir d'ici. 1, 2, 3. On revient. Hop. D'ailleurs, c'est légèrement trop excentré. Donc, on va. Hop. Je triche légèrement. On le fait revenir comme ça. Voilà. C'est moi, il n'y a plus de musique là. Mais il n'y a plus de musique. Mais c'est bizarre ça. Est-ce que ça stream toujours? Ouais, ça a l'air de streamer toujours. Par contre, il n'y a plus de musique. Oh, attends. Mais ouais, je trouve ça très étrange. Bon, je lance une autre. Pourtant, c'est la.
La playlist que j'ai lancée là, c'est vraiment la playlist de base, le lofi hip hop beats. Bon, ça c'est peut-être un petit peu. C'est déjà pour voir si en fait, s'il y avait encore du son. Et ça, ça fait quoi? Parce qu'il faudrait pas que ce soit de la musique on danse de trop là. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Il y a de la musique, on n'entend rien. Bon, et celui-là? Ça doit être une musique qui est pas trop, qui devrait pas être trop forte. Ok. Alors, ouais, non, c'est très bizarre parce que c'est pourtant une longue playlist. C'est une playlist de Twitch. Ok. Hop. Salut The Crow. Comment vas-tu? Alors on double la ligne, hop, une, deux, et trois. Et alors je vais encore diminuer la taille. Hop. C'est là que je me rends compte d'un truc très étrange chez Brindy. Ça se troll entre amis. Quelque chose de très très étrange, je vais aller vérifier ça. Brindy. Parce que en fait c'est un dessin officiel. Ah ouais, ok. En fait ici, hein, on le fait aller quand même plus loin. Ce que je me disais, c'est bizarre ça, en fait on devrait quand même un peu voir, vous voyez ici. Mais en fait ils le font pas apparaître. Et c'est dans le dessin officiel de Nintendo, mais à mon avis c'est pour essayer de simplifier leur personnage. Et du coup ça fait un truc un peu étrange en fait, si on regarde bien. Voilà. Hop. Alors, on a fini ici, et maintenant, on va faire
Les. Hop. Et alors là, ici, on va faire. C'est pas des droites, ils sont légèrement convexes, donc vers l'extérieur, 1, et ils font comme ça, légèrement. Hop, hop, 1, 2, et l'autre, hop, et les bouts ne sont pas pointus. 1 et 2. Là, on va pouvoir mettre. Forcer ce côté L, ce côté 3D, je veux dire. Hop. Je vous tire mon chapeau. Manque quelque chose. Voilà. Le chapeau. 17h03. Donc ça veut dire 17h18. Ouais. Merci à Dahlia. Elle est pas droit. Hop. Il est droit là. Ouais. Ok. Mais non, il est pas droit. Comme ça. Oh, comme ça. Voilà. Boum. Là aussi, hop, un brin d'hibou. Et voilà. Et voilà. Hop. En fait, c'est comme s'il volait par là, quoi. Donc ça va légèrement comme ça, hop, et légèrement comme ça pour les ailes. Et on va un peu recommencer. Ah, étirement, étirement. Le chevalier du zodiaque est trop top, est trop beau. Ouais, c'est un chevalier de... C'est le chevalier de la chouette. Chevalier du hibou.
C'est Sensei Omega, hein, dans le style de dessin. Ah non, en fait, tu parles... tu parles des dessins qui passent là au-dessus. Merci. Oui, je crois qu'il parle en fait du dessin de là au-dessus. C'est un dessin que j'ai fait à l'occasion de la sortie d'une statue chez Tsume, qui représente bah, justement Shiryu qui fait ses 1000 dragons. Il n'y avait pas 1000 dragons sur la statuette. Alors, tu n'arrives pas à faire les yeux. Alors, je vais te montrer hop, sur le côté. Ici. Alors, pour les yeux, donc en fait, tu as le cercle ici. Hein. Ouais, ça va, je suis bien dans mon écran. Tu as le cercle. Ici, on refait un cercle comme ça. Et un cercle qui est comme ça. Donc, c'est pour faire comme un effet ballon. Hein. C'est pas une croix tout droite. C'est vraiment. C'est vraiment comme ça ici, là, hein, tu vois. Arrondi. Alors tu prends le dessus ici pour faire un ovale. Dans cet ovale tu coupes. Ah bah tiens, attends, regarde. Hop. On est sur l'ordinateur. C'est fantastique. Donc hop. Tu recoupes ici. Hein, c'est un petit peu haut. Voilà. Et alors en plein milieu de cette moitié, hein, tu fais au milieu de ça et au milieu de en hauteur aussi, tu fais un ovale, puis tu fais un petit rond dedans. Et du coup, voilà, hop, t'as son premier œil. Même chose ici. Hop, tu suis la ligne, hein. Tu suis vraiment la ligne, et hop, un rond dedans. Regarde, moi je vais même, pour que ça se voit même mieux, hop. Voilà, et en fait après, on pourra refaire mieux le cercle, pour retrouver un petit peu de distance entre son œil. Voilà. Et alors après ici, tac, tac, le cercle et le cercle. Et voilà, t'as son visage de brin d'hibou. Et en fait ici, t'as de nouveau les feuilles. Un grand rond, un petit, un grand rond. Et voilà. Ah, attends, il y a une faute de frappe. Magnifique. Tu le fais aussi, Crow? J'aimerais, lol, mais pas autant de talent. On ne voit pas ce que tu montres. Cendre, ok, alors hop, et ici tu recorriges pour laisser un tout petit peu de distance entre le masque et son crâne, voilà, et le bord de son crâne. Tu savais que t'allais être trollé sur ta faute de frappe. Voilà. Le brin d'hibou. Hop, on rediminue. On remonte. Et on remonte. Allez, vas-y, remonte.
Ah. Eh bien, je crois que mon programme a planté. Regardez ça, quel beau programme. Ok. Eh bien, voilà. Y a Brindibou. J'espère qu'il veut sauver quand même. Ok. Voilà. Bon. On va fermer lui. Alors, est-ce que lui, il veut bien? Ah, lui, il veut bien. Ok. C'était l'autre programme qui voulait plus. Je ne sais pas pourquoi. On va le rouvrir. Voilà. Comme ça, vous le voyez au moins le Brindibou en finale. Hop. Salut Moui Moui, comment vas-tu? Bah écoute Crow, c'est le bon moment pour t'y remettre. Hein. En plus, Brindibou, c'est quand même pas le personnage le plus compliqué à dessiner. Mais ouais, elle est là, Moui Moui. Tu vas essayer. Mais du coup, maintenant, il faudra revenir mercredi. Donc, aujourd'hui, c'est Brindibou. Attends, mais c'était quoi là? Ah non, c'était jusqu'à 18. C'est ça, hein, la casquette. La casquette, c'était 18. Ouais, c'est ça. Donc, il y a encore 5 minutes. Et donc en fait, mercredi, on redessine un Pokémon, un autre, Hérissandre. C'est un hérisson avec ses picots en feu. Et jeudi, il y a le fameux moustillon, la loutre aquatique. C'est vrai qu'il dit comme ça, la loutre aquatique. Oula, dos droit, on s'étire. Voilà, c'est vrai, dos droit. Dos droit et casquette. Hop. Voilà. Nous allons pouvoir passer. Voilà. Contrôle S. Et nous allons pouvoir passer. N'hésitez pas. Oh, mais voilà. N'hésitez pas à poster vos dessins sur le Discord. C'est ce que j'allais dire justement. Adaelia m'a devancé. Merci Adaelia. Hyper au taquet. Franchement, merci. Hein, franchement. Trop bien. Donc n'hésitez pas à poster vos dessins sur le Discord. Qu'on voit un petit peu ça. Je vais voir si ça se trouve, il y en a déjà qui ont posté des dessins. Salut, jeune dessinateur, free tablette graphique SVP. Ce n'est pas ça. Non, il y en a pas encore. Par contre, il y a quelqu'un, je ne sais pas trop ce qu'il veut. Voilà.
Et maintenant, nous allons passer. Attends, parce que là, le cadre. Bon, voilà. Nous allons passer à la suite. Tu rigoles ou quoi? Ah non, ça va. Nous allons passer à l'ancrage des emotes. Bon, on va en faire sans doute un, vu qu'il est 17h1 ou 2, hein, on va voir. Ok, alors, on sauve. C'est bon pour tout le monde? Je peux diminuer le... Je peux enlever le dessin. Ah bah attendez, regardez, je peux même enlever ce Pokémon-ci. Tac. Au revoir. Yes! Ah, t'as posté le tien? Allez, on va voir ça. Atelier fanart. Mais oui! Ah, il est super! Ah, il est top! Ah, on reconnaît bien, il est bien rond, il est bien mignon, avec les petites papattes, avec ses bouts arrondis comme ça. Super. Merci à Dahlia. Oui, postez vos dessins sur Discord. Et même si ce sont des si vous faites le dessin avec une rediff, hein, vous êtes le bienvenu et postez vos dessins sur le Discord, hein. Avec ces lignes, c'est incroyable. Pourtant, je suis dans le sombre. Et bien sur mon nez, comme ça, hein. C'est improbable. Vous voyez donc, je suis pourtant en Belgique et pourtant il y a du soleil, hein. Ok. Allez, on passe à la suite. On va faire eux maintenant. Alors, hop, 100%, opacité 100%, ok, on est bon. Allez. Il est juste 18. Et c'est la première fois, je crois, que j'enlève ma casquette. Pile à la bonne minute. Pile à la bonne minute. Abusé, je crois que mon dessin était le pire que tu as eu lors de l'atelier, lol. Oui. Hey, salut Keops, comment vas-tu? Keops, c'est le rédacteur en chef du magazine. Qu'est-ce que je raconte moi? Du magazine Keep on Dream. Dans lequel avait été publié le couturier d'Halloween et dont un nouveau numéro est sorti. Ben écoute, ça va très bien. On a d'abord fait un atelier avec un Pokémon, celui-ci, Brindibou. Comme c'est les vacances de carnaval, je me suis dit, bah allez, on se refait un petit atelier. En plus, je vais faire ces ateliers avec ces trois Pokémon, plus Pikachu, à la Medinasia. Donc je me disais, ah bah allez, ça me chauffe un petit, ça nous chauffe un petit peu, on s'amuse, c'est carnaval. Donc en fait, c'est cette semaine, chaque atelier, chaque séance Twitch commencera par un atelier. Et puis là, on est occupé
Et puis là, on est occupé de faire, hop, attention, des nouveaux emotes qui ont été débloqués sur Twitch. Donc en fait, voilà, on les dessine. Il y a surpris, il y a bonjour, il y a triste, et alors il y a la casquette. Je vous tire mon chapeau. Hein, tu sais, pendant un quart d'heure, je dois mettre cette. Cette superbe casquette en véritable fourrure de Pikachu, toute douce. Et donc voilà, il y a il y a l'emote qui va avec, hein. C'est pour ça que c'est dans un carré comme ça. Et voilà, donc ça c'est un petit peu le programme de cette semaine. D'ailleurs, je vous tire mon chapeau. Je vous tire mon chapeau. Mais est-ce que je mettrais pas ça? Oh non, mais c'est encore pire en fait que la casquette! Je me fais avoir en fait. C'est pire que la casquette ce truc. Ah, c'est pire! C'est pire! Alors, il y a ça! Hop! Finalement, la casquette était pas si mal! Finalement, la casquette était pas si mal! Le bonnet. Mais le bonnet, faut pas que je l'enfonce de trop parce que c'est pas à ma taille, hein. Il est pas à ma taille. Il est pas à ma taille. Tout le monde veut le bonnet. Oh non, mais. Tu vois, j'ai été acheter une casquette alors que finalement, le pire était déjà présent. Oh mon Dieu! Regardez-les! Oh, coucou! Les oreilles! Bonjour les amis! Oh non! Oh, le bonnet, non! Mais c'est pas possible. Je ne peux plus regarder ma. Mais non, il faut pas le déformer. C'est pour ça. Et en fait, il est vraiment posé sur le dessus. Et après, on remet la casquette. Hein. Alors, attends, c'est jusqu'à quelle heure là? Parce que ça fait au moins 2 minutes là, non? C'est quand là? Je vous tire le chapeau. Attends, il est 24. Ça faisait. Attends, 20. Attends. 20, 20, 20, attends. On va faire comment ça? 20, ça ferait 35, 37, à 37 quoi. On est d'accord? À 37, 38? Avec le. À 30, allez, 37, merci. Mais regardez ça. Les oreilles qui bougent de ouf quoi. Ouais! Je crois que c'est le bonnet. Le bonnet. Ouais, il y a déjà 2 minutes, allez, ouais. Merci, merci, merci. Alors l'idée pour ces dessins-ci,
c'est que j'ai intérêt à pas sortir du cadre, même si en réalité je peux quand même déjà aller chipoter moi-même quand je ferai le PNJ, le PNG. Oh non, ok, d'accord quoi. Ok, il y a carrément le gif déjà, enfin le l'emote. Ok. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne pensais pas que serait battu le. Certains diadèmes que j'ai mis. Ah ouais, bah oui. Ah ouais, sur Discord et sur Facebook, bien sûr. Attends, mais sur quel Facebook? Sur le Facebook de Moonkey? Je vais aller voir ça. Je vais aller voir ça. Oula, cette notif. Oula, il y a des notifications ici. Ah, effectivement. Ah non, non, ah, ça va, ça va. Tu l'as mis chez toi, en fait. Ah non, 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 c'est bien sur le. Attends, comment ça se fonctionne là? Attends, attends, mais vos raccourcis, Moonkey. Ah non, 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 ça va. En fait, tu l'as mis sur ta publication personnelle, ok. Je me suis demandé. Oh. Tu peux, hein? Tu peux. Ça fait vivre la page. Comme tu fais à chaque fois, c'est vrai, c'est vrai. Ah oui, ok, mais en fait, j'en reçois de d'autres côtés. Va! Va! Alors, on va faire ici sa mèche de cheveux, ici au-dessus. Donc là, on est occupé de faire les nouveaux emotes de chaîne. Et avant ça, nous avons fait. Ah bah, le brindibou est encore à l'écran. Nous avons d'abord fait un atelier où on a appris à dessiner brindibou, un Pokémon starter de Pokémon Arceus. Et puis après, maintenant, nous sommes occupés de dessiner les nouveaux emotes de chaîne Twitch. Hop. Et j'ai donc eu le le défi de mettre un chapeau et j'ai eu la bonne idée de mettre le bonnet. Heureusement que c'est la casquette normalement, hein, parce que. Mais cet été, parce qu'on va se rapprocher des beaux jours, mais si c'est à chaque fois le bonnet, mais je vais mourir. Déjà la casquette, ça chauffe quand même, hein, la casquette, mine de rien. Mais alors le bonnet, mais bon, c'est pas mon bonnet et en plus ça va le. Ça
ça va le détendre. Je voudrais pas détendre le bonnet de quelqu'un d'autre, quoi. Fait un peu plus haut parce que j'avais l'impression que ça pouvait être encore plus accentué, mais en fait non, c'était trop. Donc on va le faire comme est le dessin à la base. Des rappels, merci à Dahlia. Oui, modératrice au top, hein, à Dahlia. Effectivement, donc, et en plus, cette semaine, bonus atelier, donc. Et alors, ce que je devrais dessiner aussi, je vois qu'il y a de plus en plus de personnes qui le font. C'est un planning, mais avec, mais vraiment marqué, voilà, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, telle heure, si c'est en off ou s'il y a quelque chose. Et qu'ils le mettent sur leur réseau, en fait. Donc je vais dessiner là aussi un planning en fait, hein. Et que je pourrais changer à volonté. Ça c'est la ligne pour la couleur. Et voilà. Cool. Si tu sais repasser KWX. Et là on va mettre en noir.
On va agrandir et voilà. Parce que ça grossissait le tout en fait. Hop. Et comme on essaye de dessiner à pas trop grande échelle. Parce que si vous dessinez à grande échelle, vous allez faire des détails. Mais des détails qui sont complètement inutiles puisque les émoticônes sont tout petits après quoi. Voilà. Un petit CTRL-S. Ça fait jamais de mal. Toujours pas 18 là? Non, attends, mais c'était pas 18 là, c'était jusqu'à quelle heure? Ah, c'était jusqu'à 37, c'est juste, je me souviens. Voilà. Et de 1. Maintenant le deuxième. Est-ce que j'enlève le brin d'hibou? Eh, hey, je parle du brin d'hibou. Ou alors je vous le laisse sur le coin. Ça fait un dessin de plus. Hein, allez. Mais même pas que tu le gardes plus de temps cette fois encore. Eh bah ben voilà, 37, merci. Hop, je vais essayer de revenir. C'est juste que je n'ai plus la notification. Ok. Ah bon? T'as plus la notification? Parce qu'en plus maintenant je suis j'ai même mis que la notification de live je l'ai fait que deux fois hein, mais maintenant la notification de live elle met carrément exactement ce que je vais faire cette fois-ci. Avant je marquais, avant c'était marqué Moonkey est en live dessin, un truc comme ça. Mais maintenant, c'est marqué Monkey Manga, Atelier Pokémon, 2 points, Brindibou. Atelier Manga Pokémon, 2 points, Brindibou. Et on dessine de nouveaux émotes de chaîne. Ça, c'est normalement ce que vous avez su, vous avez dû recevoir cette fois-ci. Je vais régler le problème pour avoir la notif. Ok, mais tu penses que ça vient de ton côté alors? Les autres, vous recevez une notif quand je commence un live ou pas en fait? Voilà, hop, hop, hop. Au cas où, c'est vrai. En continuant de parler de Pokémon, si vous avez Pokémon, alors ils ont mis,
ils ont rajouté plein de trucs. Ils ont rajouté des choses dans chaque jeu Pokémon plus ou moins actuel. Il y a un leur Pokémon. Il y a différents jeux de Pokémon gratuits. Et alors, il y a aussi. Il y a même un puzzle, une sorte de puzzle game Pokémon. Hein, Pokémon qui font la cuisine comme ça. Mais pour Pokémon Arceus, ils ont fait un petit DLC avec. Alors en fait, il faudrait que je revoie. Parce que j'ai pas exactement. Je suis allé dans le jeu. Et normalement, il y a une nouvelle quête. Mais alors, j'ai pas compris quoi. Parce que je l'ai pas vu. J'ai vu que ça a téléchargé le truc. Mais je n'ai pas vu en jeu quelqu'un qui me proposait un nouveau truc. Enfin oui, si, mais je pense par rapport au jeu de base, quoi. Alors est-ce que il faut déjà avoir terminé le jeu pour qu'on nous le propose? Je sais pas trop. Mais par contre, si vous tapez dans les comment ils appellent ça? Les cadeaux mystères. Vous allez cadeaux mystères. Vous allez vous. C'est dans un des dossiers, un cadeau mystère. Et là, vous rentrez le mot Arceus Adventure, enfin aventure, Arceus aventure, et vous recevez des Pokéballs spéciales, genre 30 Pokéballs, je sais plus quoi. 30 autres Pokéball et alors encore un autre machin quoi. Des consommables mais de haut niveau. Toujours bon à avoir, hein. Connecté à Internet avec sa Switch. Salut Matspace, comment vas-tu? Ça va, de notre côté, carnaval en plus, il y a du soleil, on a fait un atelier Pokémon avec, hop, par là, hop, on a dessiné Brindibou là, je l'ai laissé en dessin comme ça. Voilà, Arceus Adventure, 30 Hyper Ball, Hyper Ball, 30 Gigamas Ball, bon, en fait c'est les meilleurs, je pense. 30 Propulse Valide Ball, valide jusqu'au 31 mars. Merci à Dahlia, je ne savais pas s'il y avait une date, s'il y avait une date de péremption du code, je me doutais qu'il devait en avoir une. Ah ben voilà, ok. Merci beaucoup. Et alors, donc, ils ont présenté le nouveau le Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Si ce n'est pas déjà fait, pensez également à récupérer les récompenses exclusives directement sur vos cadeaux mystères. En effet, deux récompenses sont aussi données aux joueurs sans avoir besoin d'entrée de code. Ah, il vous suffit de choisir l'option via Internet dans le menu cadeau mystère. Le masque Zoroark de Hisui expire le 9 mai 2022 et le kimono Kaninos de Hisui expire le 9 mai 2022. Ah bon? Parce que hier j'y suis allé, j'ai rentré le code. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Attends, récupérer les récompenses exclusives directement sur vos cadeaux mystères. En effet, deux récompenses sont aussi données aux joueurs sans avoir besoin d'entrée de code. Ok, mais j'irai revoir. J'irai
J'irai voir parce que j'ai l'impression, le masque et le kimono en plus, ben voilà, je vais voir dans mon. Ah, peut-être qu'il le note pas ou quoi. Ouais, je sais pas. Je vais voir ça dans. Ben, après le Twitch, j'irai voir ça dans la garde-robe, hein, tout bêtement. D'ailleurs, je pensais qu'il fallait aller d'office chez soi ou au magasin de vêtements pour se changer. Mais en fait, dans les bivouacs, il y a un gars où on peut changer ses Pokémon. Où on peut. Alors moi, je pensais que c'était un vendeur. Et parce que la première fois, il m'avait genre demandé juste, est-ce que tu veux acheter des trucs? Genre racheter des Pokéballs et des trucs comme ça. Mais en fait, il te propose de changer tes Pokémon, mais aussi de changer tes habits. Mais je vais aller voir ça. Merci Adélia. Parce que du coup, celui-là, j'étais pas au courant. Pourtant, j'ai vu le truc en direct. Et Pokémon Écarlate et Pokémon Violet présentent la 9G, la 9e génération. Moi, je pensais pas, je pensais qu'ils allaient plutôt mettre un DLC pour Arceus et pas présenter la 9G, quoi. Et la 9G, enfin, et donc Pokémon Écarlate et Violet, on sent que Arceus est passé par là. Et alors c'est rigolo parce que en fait ça se passerait dans un pays inspiré par l'Espagne. Lissou, es-tu là? Cendre s'est endormi. Quelle heure là? 17h50. Ah, je me doutais qu'elle allait dire ça. Je me doutais qu'elle allait dire ça. Je me doutais.
Bon, je dois vous laisser. Très bon fin de live à tout le monde. Salut, Keops. Merci d'être passé. Harry. Mais non, mais. Merci, Keops. Keops qui a enregistré un nouveau podcast aussi, hein. Un nouveau numéro de son podcast. Tu ne lui avais pas demandé la semaine passée. Elle lutte vaillamment pour ne pas l'acheter. Pour ne pas craquer face à un jeu qui va lui prendre beaucoup de temps. Voilà. Elle lutte. Mais c'est vrai que ça prend beaucoup de temps, quoi. Mais Nintendo la troll aussi, hein. Oh là là, je crois qu'ils ont repéré qu'elle est en conflit avec elle-même. Enfin non, elle n'est pas en conflit. Elle est en conflit. Justement, elle sait ce qu'elle ne veut pas. Mais du coup, alors les pubs. Les pubs, bah, sans doute qu'il y avait déjà les pubs, mais maintenant que j'ai la... Eh mais, ah oui, c'est juste ça aussi. Je suis enregistré à des mailing lists d'éditeurs, hein, genre Ubisoft, Namco Bandai et tout. Je sais pas comment ça se fait, parce que... j'ai activé ma Switch... Mais il y a que Nintendo qui est censé le savoir. J'ai pas acheté de jeu Switch ni de Namco Bandai ni de Ubisoft. Eh bien, je reçois maintenant des pubs, des mails pubs. J'en recevais pour la PlayStation, mais voilà, j'achetais plein de jeux PlayStation. Mais maintenant, je reçois de eux. Pour la Switch aussi. Voilà. Il est 17h55. Hop. Est-ce que je ne me garderai pas? Attends. Est-ce que je me garderai pas les deux derniers pour mercredi? Et alors, évidemment, je mets de la couleur et tout parce que ça prend pas tant de temps que ça. Ici, on a quand même pas mal discuté et tout, brindibou, mach. Et les nouveautés de Pokémon, quand même, hein, parce que c'était le Pokémon Day hier. Mais... Je me garderai bien les deux derniers pour mercredi et continuer en fait mercredi. Adélia grb. Voilà, je vais faire comme ça. Regarde, hop, on va
On va les mettre en grand. C'est sauvé. Il y a encore 4 petites minutes et on est 18h, donc ça sera tranquillou. Ah bah je vais aller voir, tiens. Sur... Yes, mais il y a d'autres dessins qui sont arrivés. Trop mignon. Kimix, je ne lirai pas ton... Il s'est pas pris le camion de face. Non. Mais en fait, c'est l'aile de... Comment je vais dire ça, de... Son aile gauche, donc l'aile à notre droite, sur le dessin de base, et je dis bien le dessin de base, pas le dessin que moi-même j'ai dessiné ou quoi, mais vraiment sur le dessin de base, il est un peu chelou. Mais je trouve ton brin d'hibou, il est bien. Hein. T'as triché, j'ai l'impression que c'est au compas. Ah oui, oui, pour le dessin de... C'est vrai qu'il est bien, bien rond. Hein. Ou elle a peut-être pris un verre. Non ? Viens voir si tu veux voir le trou. Viens voir si tu vois le trou de la feuille. Hé, hey, mais Kewix, tu l'as carrément colorié et tout. C'est trop top. Et t'as mis une petite couronne et tout. Mais il est super. Allez-y les autres, mettez aussi vos dessins sur le Discord. Ah, c'est chouette, chouette. Avec Kawix, elle l'a mis même en couleur et tout, a rajouté une couronne. Ah, c'est chouette ça. Ah, parce que du coup, je reviens au chat. Tu n'as rien pris du tout. Ah bah écoute, ton rond, il est parfait, hein, franchement. Il est vraiment bien bien rond comme il faut. Ben voilà, tu sais faire des ronds parfaits, franchement. Tu vois ce que je me suis demandé. Parce que s'il n'y a pas le compas, on peut faire, tu sais, genre tu mets un verre et puis tu fais le rond autour. Ah non, voilà. Elle a le talent pour faire des ronds. Ouais, mais mais regarde son dessin sur le Discord. Il est nickel, hein. Il est nickel. Son dessin sur le Discord, il est nickel, on peut rien dire d'autre. Le rond est... Même le reste, hein, il est bien réussi. Tu n'as pas pris de verre. C'était pas un verre, c'était une sous-tasse. Non, je déconne. Ben, on va voir ça mercredi, je ne sais pas. Prochain rendez-vous, c'est mercredi. Ah, t'as dû beaucoup gommer. Bah, en tout cas, le résultat, il est là. Hein. Le résultat, il est là. 2 ans de dessin et je sais toujours pas faire de rond. Bah, tu vois, Barry Hart. Prends exemple sur ta maman. En tout cas, voilà. Prochain rendez-vous, mercredi, 14h30. Et alors là, on va faire Hérissandre. Hérissandre, je pense qu'il est quand même plus complexe à faire. Et puis on continuera ces dessins-ci. Et on fêtera mon anniversaire en même temps. Hein. Et je vais pas manger un truc en même temps parce que je pense qu'en fait ça s'entend très fort. Si je mange un truc ou quoi avec le micro, ça, je pense que ça doit être infernal. Alors que moi je l'entends pas. Mais à mon avis, vous devez entendre. Alors on va. Je peux boire, mais je peux pas manger. Tu essaieras d'être là mercredi? Ah super, super. Ah ben on fera un Hérissandre ensemble. Yes, Adalia. Présente mercredi. Super. Super. Ben moi aussi je serai présent mercredi. Je vous souhaite
bonne fin de journée, un bon mardi. Et je vous donne donc rendez-vous jeudi en retard. Tu finis à 16h. Ah ouais, ouais, évidemment, 16h. Tranquille, tranquille. Tu nous rattraperas sur le... Bah en fait soit ce sera Moustillon et ou alors tu voilà tu arriveras après le Moustillon. Merci à Daelia, merci à tout le monde d'être passé. Je voulais dire encore quelque chose. Ah oui non ben voilà, Nathan, moi je vais aller. Voilà, tu feras avec ta rediff. Super, ouais sur le Discord. Postez vos dessins sur le Discord. et moi je vais aller voir dans Pokémon Arceus si j'ai reçu ces costumes là. Hey femme attentiste, merci. Et n'hésite pas, au cas où, si tu as fait le dessin, à le poster aussi sur le Discord ou pas. Il n'y a pas d'obligation, il n'y a aucune obligation, c'est que du plaisir. Merci Mouimoui, merci d'être passé, merci à tous. À mercredi, bye bye. Ah, je vais vous mettre en raid. Je vais vous mettre en raid sur qui? Je vais vous mettre en raid sur Amelia, qui est une artiste qui sculpte, et elle-même m'avait fait un raid il y a longtemps. Eh ben, je vais... alors, tableau de bord des créateurs, je vais la raider à mon tour. Est-ce que ça se dit raider? Je ne sais pas. Voilà, hop. Bye bye tout le monde. Ah bah elle est sur toujours. Elle est sur un Rathalos, donc Monster Hunter. Yep. Restez bien pour le raid, hein, même si vous repartez derrière, mais comme ça lui fait un raid un peu plus, un tout petit peu plus grand. Voilà, 7 spectateurs, c'est déjà ça. Bye bye. À mercredi.